Bonjour tout le monde, c'est Vince. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau, bah une nouvelle vidéo, un nouveau podcast euh, audio cette fois-ci sur le défi des 100 jours. C'est parti, jingle! Jour 26 de mon défi des 100 jours. Alors, quoi vous dire Tout récemment, donc, euh, ben en fait, euh, je n'ai pas fait le défi des 100 jours durant ce week-end. Honte à moi. Je n'ai pas ouvert le livre pendant deux jours. Je me suis euh, un petit peu laissé aller. Donc, je me suis laissé aller à partir du jour 23. Donc, euh, mes intentions, c'était d'être positif et dans la gratitude, de continuer à développer BioLive, d'attirer de nouvelles demandes de projets, d'être inspirant aux yeux des gens, voilà. Et écoutez, ben, cette journée du vendredi a été assez exceptionnelle, ça s'est très très bien passé, puisque j'ai eu encore des demandes de projets. À chaque fois que je pose ces intentions dans mon défi des 100 jours, donc à l'écrit, euh, dans mes intentions, comme je vous expliquais, je ne dépose pas une seule intention, mais j'en dépose au moins 4 dans la journée, parce que ben, c'est vrai que j'essaye de, de, de faire en sorte que mes intentions se réalise au maximum et de rester focus sur mes intentions. Et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois que je marque de devoir de, de recevoir de nouvelles demandes de projets, j'en reçois toujours des demandes. Alors est-ce qu'elles vont aboutir Pas forcément, mais je reçois toujours des demandes d'informations, des choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ce week-end Pour moi, ça a été un peu, un peu fatigant. J'ai eu des, des choses un peu personnelles, un peu, un peu de, 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 de désespoir, un peu d'émotions négatives, malgré le fait que j'ai passé un très très bon week-end. Euh, je ne sais pas si c'est la période actuelle, s'il y a beaucoup de chamboulements, de, peut-être de, de cet élan de pendant les, les 25 premiers jours de mon défi avec beaucoup beaucoup de, de, de choses. Et puis d'un coup, pouf, tout s'est posé, tout s'est apaisé. Je sais pas pourquoi. Euh, bon, ça arrive, mais c'est ok. Ça fait partie de la vie. Euh, j'ai eu la chance de parler de mon projet à François Lemay euh, samedi soir. Il a euh, le projet BioLive Live. Hein. Il, euh, il était vachement emballé. Alors je, je comme j'ai expliqué, c'était pas pour le, 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 le faire l'incorporer dans le projet. C'était pour plus euh, lui demander son avis puisqu'il a eu beaucoup de, de, de sociétés, beaucoup de, de, de projets dans sa vie et il m'a dit écoute si tu crois en ton truc tu fais le et euh, il m'a dit moi c'est un projet qui a l'air intéressant effectivement de, 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 de faire ça donc j'ai eu un peu le soutien de, de françois donc ça me fait plaisir et puis il m'a dit si tu as besoin d'aide pour des idées des choses comme ça n'hésite pas alors merci françois si tu écoutes ce podcast euh, ça me fait énormément plaisir on a également regardé une de ses conférences qui était sur l'Académie Zéro Limite, alors elle n'est pas disponible mais là je vais travailler sur des vidéos justement pour décortiquer un peu euh, ça, ce, ce, ces vidéos-là que j'ai regardées. Je l'ai regardé avec ma, ma chérie hier soir, on a regardé son, son intervention avec Nathalie, donc sa femme, pour, dire, pour montrer un peu son parcours. Euh, de boulimique de connaissances, de tout ce qui s'est passé entre temps. Et, euh, et j'en suis ressorti, vraiment grandi. Il y a beaucoup de choses que je comprends sur mon cheminement à moi. Euh, j'ai encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. C'est pas gagné, <laughs> parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui sortent en ce moment. Mais voilà, j'ai voulu reprendre du coup au jour 26 parce que j'avais envie de faire un petit break sur mon défi des 100 jours. Donc là, j'en suis à la au quart de mon défi. Euh, J'ai envie de reprendre un truc que j'avais commencé l'année dernière mais que j'avais pas pu terminer à cause du, du, du Covid. C'est l'Académie Zéro Limite de Martin Latulipe. Pour développer vraiment mon business, savoir dans quelle direction je vais, de partir sur des bonnes bases, euh, trouver mon, mon client idéal, trouver ma... Ma, 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 ma situation actuelle, la, 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 la développer, vraiment partir sur de bonnes bases. Donc j'ai vraiment envie de reprendre l'Académie Zéro Limite et de me lancer un peu ce défi dans le défi de regarder une vidéo par jour de l'Académie Zéro Limite. De pas regarder 15 vidéos, d'en regarder une, peut-être deux si vraiment je suis dans l'élan et d'essayer de remplir les exercices que lui propose aussi pour développer autant mon business. Peut-être qu'en fin de compte, je me rendrais rendrai compte que BioLive n'était pas euh, le business ou la, le, comment dire... N'était pas le, euh, le projet que j'avais envie de faire. Peut-être qu'il y en a un autre qui viendra. Je ne sais pas. J'ai envie de, 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 de laisser, me laisser guider. D'être dans le flot euh, pour, euh, bah pour développer une année exceptionnelle et extraordinaire, comme dans le défi des 100 jours. J'ai envie aussi de vous faire peut-être des podcasts sur des choses que j'ai dans ma bibliothèque, des choses que j'ai apprises, comment par exemple euh, créer des intentions, comment euh, euh, matérialiser des intentions, comment moi j'ai pu bah, peut-être faire des retours d'expérience, comment j'ai pu matérialiser des choses, faire des. Peut-être des anecdotes de, je sais pas. Dites-moi dans les, dans les commentaires ce qui vous inspire et ce que vous aimeriez euh, que je fasse sur cette chaîne YouTube. Là, par exemple, je suis en train de, de en ce moment de publier chaque jour le, le podcast de la magie que j'ai fait en version podcast audio et que je développe du coup en vidéo. Donc chaque jour il y a une vidéo sur le podcast de la magie, le livre la magie les 28 jours euh, à appliquer, à appliquer de la gratitude, voilà. Et je vous invite à le faire également chaque jour donc n'hésitez pas à revenir en début de podcast pour suivre ces, ces podcasts là voilà euh, c'était un peu le, le retour que j'avais envie de vous faire aujourd'hui pour ce jour 26 euh, je vois marqué semaine 6 le passage à l'acte l'imagination est une faculté de notre esprit qui nous permet de visionner l'invisible et de matérialiser dans notre monde et de le matérialiser dans notre monde physique voilà c'est ça qu'il qu va falloir faire aujourd'hui c'est matérialiser dans le monde physique ce projet Biolive il va y avoir du boulot, j'ai besoin de me ressourcer aussi. Je pense que je vais aller cet après-midi dans une cathédrale pour aller me ressourcer un peu, comme en début de défi en fait. Et puis voilà, voilà un peu le, 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 le flow que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc je vais vous faire de gros bisous. Si, si ces podcasts vous plaisent, pensez à vous abonner. N'hésitez pas hein, à, à vous abonner surtout et à mettre un petit, un petit like ou un commentaire, ça me fera super plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Vince, je vous fais de gros bisous. Ciao